on a vu un chez Copic là ou quoi? Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le move. Oh le... Oh l'intelligence. Oh. Et l'autre là qui sort de... Qui sort de chez le coiffeur là, et avec son petit dégradé de merde, avec sa petite chemise. Ouais bah moi j'étais là pour un after work. On lui dit police, police. Il se transforme, c'est la cage au folle là, il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est dans mes fils de pute dans la cuisine pour se servir un putain de burger. Et l'autre est là, et ben on rentre pas dans la cuisine, ok, il me tire dessus. C'est pas un drone, c'est une smoke ça mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Nick ça. Ah bon, c'est possible, hein. Sébastien Loeb, tiens. Bam. 360, mon gars. Bam, into. Oh putain. Salut. 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 On est tué tous. C'est moi, on est en Discord, 2 minutes. Où ça se voit le point ça se... Oh, 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 lieutenant. Je peux mettre un coup de crasse si tu veux. Veuillez m'excuser mon lieutenant, j'ai ma bouche qui s'est bloquée tout d'un coup et je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Pardon. Alors je savais pas que ça tue quand tu dis sur la tête. La fois que tu veux monter. Let's go. Quelqu'un, je le fais reprendre. Wow, bien joué ça. Oh my fucking god, I'm so excited, man. Je vois pas en fait. Oh! Ah, désolé. J'ai envie de dire que le jeu d'Alpha, parfois on a du mal à s'y faire. Ok, elle passe pas celle-là, vous avez pas compris. Ok, bah allez, on. Du mal à s'y faire. Allez, Cypher! What mec, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Tire tes balles. Vas-y, bah y'en a plus à un moment. Ah y'a un moment, y'a plus de balles. Mais... Pas de casse ta porte, on va mettre du one tap. Ah, okay. J'ai dit quoi, on casse ta main door, on va mettre du one tap. Ça tire où là? Y'a un mec là! Les feux de l'enfer! Bibi! Ah. Victoire des défenseurs. Bah. Attention, ici c'est l'école. La vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Bonjour tout le monde sur le campus de Soutien Academy. Comment ça va? Bien ou bien? Qu'est-ce que c'est que cette merde par terre? Qui est-ce qui a pas fait le ménage là?
Merde, y a des trucs qui traînent là, c'est quoi ça? Putain, c'est pas normal ça. Hein, comment ça va? Bonjour Jojo, bonjour, oh là là, oh pop pop, qu'est-ce qui vous arrive là? Oh là là, hé, 4 subs dès que j'arrive! En règle générale, vous êtes des fils de pute! Comment ça se fait que vous soyez aussi généreux? Oh là là, 16€, waouh! Franchement, je suis trop content, mon comptable est ravi quoi. Il vient de m'appeler d'ailleurs, il m'a envoyé une félicitation. Attendez, je lis. Félicitations pour ces 16€ de chiffre d'affaires. Ouais, ben voilà. Merci les gars, hein. Franchement, oh là, ça fait trop plaisir. Encore un mois. Ah ouais, je sais. Bonjour tout le monde, bonjour. Je me plaisante, bien sûr. Bonjour Galaxy Venom 5. Oh putain, la vache change de pseudo, Galaxy Venom. Il pue du zboob. Non, 20€ à moi tout seul. Hein? Ah oui, il y a plusieurs... Ah voilà, ça c'est les vrais, ça. Merci évidemment, Derek Rose, pour les 12 mois de frais de scolarité. Dr. Bears pour Xon. Enfin, attendez, déjà, bonjour tout le monde. Lockhart, plus long kebab. Bonjour Surigno. Trucmuche, là. Armquad Busby, là. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour, rentrez. Bon, du coup, j'espère que vous allez bien, les gros noobs. Hein, des pseudos, t'as peur. Grave. Hein. Du coup, musique. Voilà, ok. Faudrait que je refasse ma playlist, tiens. C'est toujours la même, là. Il y a 300 sons, mais j'ai l'impression qu'il y en a 12 dedans. Ça va, tout le monde? Bien ou bien? Hein? Ça va? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Hein, ça va, je lance pas trop tard, 17h30. On est bien? Oui, bien sûr. On dirait la map Penthouse, le background. J'ai pas la ref, c'est quoi Penthouse? Hein? Clubhouse, moi je connais Rainbow Six, moi. Je joue qu'à Rainbow Six. Et encore, vous avez pas vu mon pseudo in-game? Hein. Plus long kebab, quoi. Merci évidemment Rose, en tout cas, pour les 1 an. Merci Dr. Bears pour Itzkson de lui avoir payé ses 6 mois. Merci Lewy pour les 16 mois de méga étudiant en campus. Et merci pour tout ce que tu fais au campus de la Salty Academy, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est Monsieur Communication, hein, Lewy. Hein, c'est la personne qui s'occupe de toute la communication, comme je viens de le dire, en fait. Hein. Donc, si vous aimez des tweets, c'est lui. Merci infiniment Surigno pour les 31 mois de méga étudiant, lui aussi. Putain, la vache, c'est le défilé des méga étudiants. Merci Surigno pour tout ce que tu fais au campus aussi. Merci mon poulet et merci pour ça. Vraiment, ça me touche énormément. Merci aussi à Matt Moving pour les 2 mois de frais de scolarité. Valoche pour les 7 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres. Bonjour Facou, bien ou bien? N'oubliez pas, buvez au lit. La boisson, H avec un H. Faudrait que je les appelle parce que je suis bientôt à court à force de boire que ça. Hein, voilà. Point d'exclamation, H-O-L-Y, les amis. Moi, je bois que à table. C'est pas bien, faut boire 2 litres par jour. Ça a été ta journée, Six? Est-ce que ça a été ma journée? Ouais, ça va. Ouais, ça va. On a avancé sur des projets et tout. Ça va. Ça va, on avance sur des trucs. Moi, je suis toujours entouré de sacrés énergumènes qui n'en branlent pas une, quoi, et à qui je suis obligé de tout dire. Mais ça va, ça va. Il y en a quand même 2-3 qui sont en full autonomie dans le campus. Heureusement. Hein, voilà. Par exemple, Tipeee, tu vois. Lui, bah, il n'est pas en autonomie du tout. Lewy, en revanche, lui, il est en autonomie, lui. Lewy, c'est l'employé modèle depuis 3 mois. Je vais le mettre en cadre. Je vais mettre un cadre derrière. Employé du mois, depuis 3 mois déjà. Ça avance ou pas le pendentif Rainbow Six? Oh oui. Oui. Là, j'ai eu un call avec Ubisoft. Ils se sont excusés. Non, ça... D'où ça avancerait? Faudrait que je me bouge pour faire une vidéo déjà. Histoire de faire chier un peu quand même. Ah, voilà quoi. Mais autrement, non. Non, ça avance pas du tout, non. En même temps, je cherche pas à faire en sorte que ça avance, quoi, tu vois. Pff, je m'en fous, en fait. J'ai même pas envie de donner l'impression que ça m'atteint, quoi. En vrai, ça continue. Et j'ai reçu un message il y a... Pas du bi, hein, parce que ça fait 3 ans que j'ai pas de message 2. Enfin, officiellement, j'ai pas de message 2. Officieusement... Lol. Toutes les personnes qui viennent me voir... Mais qui sont la plupart du temps de Montréal.
Salut Poulet, juste pour te dire, j'ai récemment vu le retrait du charme de la Salty, etc., etc. Ça ne fait que prouver encore une fois à quel point Ubi ne comprend rien à la scène Rainbow Six et méprise les créateurs de contenu. Perso, je ne touche plus au jeu depuis des mois et ça donne pas envie de réinvestir dessus. En tout cas, on est avec toi et c'est pas le retrait de ton charme qui va changer ça. Continue comme ça, continue de faire des events de ouf avec la Salty et continue de montrer à Ubisoft ce que c'est la passion du jeu vidéo. Force à toi, to the top. Voilà, ça c'est ce que je reçois à peu près presque quotidiennement. Donc, la vérité, c'est que moi, je suis dans ce mindset-là, en fait. C'est pas ça qui va m'atteindre, quoi. Au contraire, moi, ça active chez moi plutôt le côté inverse, quoi. Ça active le côté « Ah ouais !» Bah, on va bien rigoler, hein. Voilà. J'ai déjà le charme, donc c'est pas grave. En vrai, c'est trop cool, quoi. Comme ça, ceux qui l'ont, tu vois, voilà. Ils pourront dire « Ouais, je l'avais, c'était à l'époque où... » C'était à l'époque où il existait... Grâce à moi, votre truc a pris de la valeur. Vous êtes trop content maintenant. Yo, la vidéo Airsoft sur YouTube est vraiment super sympa à regarder. Ça donne... Merde, attends. Il y a un truc qui cache. Ça donne envie d'en faire. Et bravo aussi pour le montage et l'écriture. C'était vraiment nickel. Ouais, elle était... Le montage est bien fait. C'est Emile qui le fait. Elle était cool. Maintenant, c'est pas la meilleure de toutes celles qu'on a sorties. Honnêtement. Elle est sympa. Elle est sympa. On essaie de faire des trucs sympas. Mais bon, on sait aussi que ça rapporte pas des masses, quoi. Et c'est beaucoup d'heures de boulot, en fait. Les vidéos Airsoft, ça nous fait perdre de l'argent, quoi. On va pas se mentir, ça nous en fait pas du tout gagner. Alors absolument pas. Mais comme les gens sont relativement... Enfin, les gens qui regardent sont relativement contents de ce genre de contenu, et moi, ça me fait kiffer de le faire, je continue. Mais en vrai, ça rapporte pas. Ça fait perdre de l'argent, pour le coup. Parce que rien que le dérush, c'est moi qui le fais, et je mets entre 4 et 6 heures pour faire le dérush. Voilà. Il y a 3 caméras, faut synchroniser les caméras pour avoir les mêmes actions au même endroit, que le monteur soit pas perdu, faut supprimer forcément les trucs qui servent à rien. Voilà quoi. Ouais, c'est une niche, mais j'aime ce contenu. Ouais, moi j'aime le faire, tu vois. Yo, comment ça va, Jumper? Il n'y a pas grand monde sur R6. Comment ça, pas grand monde sur R6? Sur les vidéos R6? Non, bah, les vidéos R6, ça nous permet de continuer, c'est elles qui nous payent. Comment on a le charme de la Salty 6? Je te remercie que sur YouTube depuis très longtemps, mais je me suis mis à fond sur YouTube, sur Twitch. Et tu veux le charme de la Salty Academy? Il faut contacter le support Ubisoft, hein, et il faut leur demander comment puis-je avoir le charme de la Salty Academy. Ils se feront une joie de te répondre. Bonjour tout le monde. Yo, merci pour le raid d'hier soir, ça fait plaisir. Merci Zyron, comment ça va poulet? Désolé, j'avais pas vu le message. Bah écoute, pas de problème pour le raid. Après, je reste pas longtemps, moi. Je balance un raid, je me casse. Hein? Merci à Kazax, merci pour les vidéos Airsoft, ça fait plaisir. Mais justement, avec Jumper, on va aller en faire une. Il y a 2-3 terrains là, en Europe, j'ai envie d'aller les tester. Je vous mens pas. Rien que pour aller tester du terrain, quoi. Et en fait, la vidéo YouTube, c'est un gros prétexte pour y aller, quoi. En me disant, si, comme ça on fait une belle vidéo, pff, elle va faire 15K la vidéo. Je ferai n'importe quelle, comment dire, vidéo sur R6 en mettant cette ligne est folle. Ah, c'est bon. 25 000 vidéos, 25 000 vues. Ou tryhard en ranked. Et c'est parti. Je vais bien, merci. TKT, pas de problème, ça donne de la force dans tous les cas. Bah, merci Zyron. J'ai vu le trailer du terrain, c'est près de chez moi. J'ai hâte. Ouais, franchement, promis, hein. Promis, il faut que j'aille dans le plat pays de toute façon dans les 2 prochains mois là. Donc voilà. Il faut que j'aille en Belgique là. Voilà, comme ça vous savez. On a tout balancé là. Yo Kiki 5555555557. Comment ça va? Et tu coaches qui? Comment il s'appelle? Il s'appelle Dame Toniac, c'est son pseudo. Après, qui sait, bah, on verra tout à l'heure, quoi. Moi, j'aime bien découvrir sur le tard. Voilà, quoi. Parfois, ça amène à pas mal de surprises. Hein. Du coup, je lance le jeu. TTS, coaching. Et il arrive un petit peu plus tard, comme d'habitude, quoi. OK? En avant. Ladies and gentlemen. Oui.
Ouais, c'est bon. Il y avait un truc avec le fond vert. Là. Ah. Mais ça lance ou quoi là? Non, faut retaper le code. Nom de Dieu, bon Dieu. Bon, alors, vous avez fait quoi de votre journée, vous? Ah. C'est pour Noob de Gravelines, le coaching. Noob de Gravelines? C'est quoi? C'est quoi Noob de Graveline? J'ai regardé ta vidéo setting et tu n'expliques pas pour quelle touche tu utilises sur R6. Exemple, les grenades. Moi, je suis tout en défaut, mec. C'est pour ça que j'explique pas. Je suis tout en défaut, quoi. J'ai changé le Y, le T, le C. Je m'accroupis avec contrôle. Je marche avec le pouce. Je cut avec le pouce et c'est bon. Je fais que perdre sur Rainbow Six. Ouais, bah prends un coaching, mec. Hein, que veux-tu que je te dise? Hein, 100% de personnes là sont contentes. Hein. Donc voilà quoi. Coucou, c'est pour moi ce coaching? Non, monsieur Noob. C'est pour Dame Toniac. À moins que vous fassiez partie de ces gens qui sur MetaFime étaient un pseudo, sur Twitch un autre et sur Ubisoft un autre, quoi. Ça, c'est possible. Coacher, c'est rentable, je suppose. Moi, c'est rentable. Oh, pas vraiment, non. Je sais pas. En vrai, quand on a lancé le truc, le but du jeu, c'est d'aider les gens. Et le but du jeu, c'est en fait monter le prix. Ça m'a permis de faire en sorte de pas avoir trop de demandes. Ouais, je suis un peu un feignant. Donc j'ai trouvé un prix qui fait que, c'est pas déconnant, parce que ça revient au final à 30 euros de l'heure. Enfin, 30 dollars de l'heure. Pas pour moi, parce que eux ils prennent une commission, tu vois. Moi, ça doit revenir à 20 balles de l'heure. Quoi. Et du coup, en mettant un truc sur 2 heures, en plus, bah, je trouve que c'est parfait, parce que ça permet de pas avoir trop de demandes, quoi. Ouais, le coaching, j'aime bien, mais en vrai, je pourrais en faire tous les jours. Les gens, ils me demanderaient que ça de faire du coaching. Et ça me saoule, en fait. J'aime bien... je sais pas. Quand j'y suis, j'aime bien. J'aime bien apprendre aux gens et voir quels sont leurs problèmes et tout. Et voilà, quoi. Mais... Voilà, quoi. J'ai l'impression d'être un alpiniste à qui on demande d'apprendre aux gens à marcher sur une pente, quoi. Bon, c'est cool, je sais le faire. Mais ça me fait chier, en fait. Moi, j'ai envie de gravir des montagnes. Merci, Sidoz, pour le fait d'être un nouvel étudiant. Un monstre, s'il vous plaît. Vous entendez pas du bruit derrière? J'essaye ma clim. Parce qu'elle fait 65 décibels, la morue. À tout moment là, je peux vous péter les oreilles. Je peux vous défoncer les tympans. Vous défoncer les tympans. Trauma sonore. Oh, pardon. 1, 2, 1, 2. Oui. Non, là, ça devrait être bon. On n'entend rien. Ouais. En fait, t'es pas passionné à l'idée de coacher un inconnu, mais au bout de quelques minutes, tu commences à nouer de la sympathie avec le gars, donc tu finis par bien aimer. Ouais, je suis un peu comme ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est valable pour beaucoup de choses, hein. C'est valable pour beaucoup de choses. Moi, je vais être en mode, j'ai pas envie, puis une fois que tu y es, voilà, quoi. Ça me rappelle la sexualité avec mon ex.
Fallait bien une référence beauf. Hein. Wesh. Ah mais c'est ça le bruit du moteur derrière. Nique ta mère, attends, ne me dites pas que vous l'entendez. Là je suis bien là. Et... Petit 35, non petit 23. Je fais des tests pour cet été quoi. Ah, ça faisait 5 ans que j'en pouvais plus quoi. Pff. Avant je mettais des pains de glace. Je chauffais des... Je mettais des pains de glace au congélo. Et je les mettais sur du sopalin que je mettais devant mon ventilateur. Franchement, ça va, quoi. Je me suis dit, putain, le jour où je suis vraiment chez moi, alors là, je me fais plaise. Ah, je croyais que c'était le bruit du PC. Non, mais vous entendez un truc, sérieux ? Non. Peut-être quand le micro s'active... Juste derrière, là, on entend un peu. Oui, ouais, Galaxy Venom, mon gars, t'entends rien du tout. Arrête tes conneries, t'as 13 ans, mec. Déjà, Galaxy Venom, c'est impossible que t'aies plus de 17 ans. Je me trompe ou pas, Galaxy Venom ? Et là, tu vas dire, mais comment il sait ? 14, 15 ? Entre 11 et 16. Non, pas du tout. Pas du tout quoi ? Mais pas du tout, tu sais. Yo, little fairy. Pas du tout quoi ? On te croit pas, Galaxy Venom. Donne ton âge. Je suis majeur. D'accord, t'as un majeur, ouais. Ouais, ah, j'ai changé de souris aussi. Voilà. Fait plein de trucs. Oh, il y a une moto là. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai choisi son pseudo là au pif bas les couilles. Mais non, mais jamais t'es majeur, toi. Galaxy, on le sait. Arrête de nous mytho, ok ? Parce que moi, en revanche, le son du jeu, je l'entends pas trop bien. Comment tu vas ? Ouais, merde, j'ai pas hache. Mais non, mais nique-toi là ! Putain, ça m'énerve quand c'est pas rouge ce truc là ! On est d'accord que c'est de la merde quand même ce gadget là. À quel moment ça te fait tomber alors que c'est blanc ? J'ai 26-6. Mais jamais de la vie, t'as 26 ans, Galaxy Venom. Jamais. Jamais une personne qui aurait 26 ans aurait répondu déjà dès le début, je suis majeur. Non, t'aurais dit directement, j'ai 26 ans. Et à 26 ans, t'aurais pas écrit G avec un G, quoi. MP, je t'envoie CNI. Non, mais viens sur Discord, viens, on parle. Eh, si t'as 26 ans, je te paye ton sub. Si t'as pas 26 ans, tu payes ton sub. Il est passé au moment
Pilgrim, tu décales un petit peu. Toy Toy, c'est bon, et tu vas pas ramener ta fraise, toi. Monsieur le platine du chat, là. Alpi vend son PC, il arrête tout du coup. Alpi, il faut qu'il trouve l'équilibre dans sa vie. Hein ? Il est un peu... il part un peu dans tous les sens. Tant qu'il aura pas l'équilibre, il peut pas jouer à Rainbow Six. Voilà, c'est à peu près l'idée. D'accord, faut que je me crée un compte, j'ai pas Discord. Ah ouais, t'as pas Discord, t'as pas 10 ans non plus d'ailleurs. Pourquoi Non, je suis pas chaud, j'aurais dû lancer une petite chasse au terreau, enfin le petit nouveau truc là. De tic. Bah j'ai continué à regarder Cœur Noir. Parce que je voulais pas avoir un vieil avis de vieux fils de pute aigri, ok? Eh ben c'est ok. En vrai, c'est ok. Faut un peu passer le premier épisode du côté yeah, we're gonna... où les Américains sont en fait des Français, tu vois. Mais bon, les mecs voient pas le truc, mais moi ça me tique, quoi. Forcément, tu fais les mecs, vous pouviez pas prendre juste un mec qui est vraiment des États-Unis, tu vois. C'était pas possible. Il a fallu que vous preniez juste un Français qui essaie de cacher son accent. Bon, bref. Bon, tu passes un peu ça, tu passes un peu le côté... tu sais, l'armée, ça change. Ok. Ça, c'est le premier épisode. Et après, au final, c'est cool. En revanche, faut arrêter avec les silencieux qui font... Ça, ça n'existe pas. Il n'y a aucun silencieux au monde qui fait le bruit d'un truc d'airsoft, quoi. Donc, c'est bien ce que je pensais. Ma souris... Celle-là aussi, elle est morte. Putain, c'est ouf, hein. Ok, je vous explique après. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable. L'autre, elle est morte. Le clic droit est mort. Et celle-là, elle est morte. Il y a un problème avec le capteur. Bon, bref. Et cœur noir, c'est ok. 3, 2, 1, 0. Allez, viens. Vas-y encore. Oh non ! Oh, le C4 était parfait. What? Il s'est passé quoi là? Putain la vache, on a perdu tous nos teammates. Bon bah ouais, alors celui-là, le capteur est mort, et l'autre, le clic droit est mort. Super. Bah je suis bien content. Et elle sort quand la nouvelle saison? Déjà tu dis bonjour Shinnok quand t'arrives, d'accord? C'est ton premier message sur le chat. T'es pas chez maman là. Tu dis bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous aussi ça va. Hein? Moi ça va. Je me présente, je m'appelle Shinnok, ok? J'ai 13 ans, mais je vais dire que j'en ai 26. Je crois que sur Amazon, ils vendent des souris. Yonim, ferme ta gueule, ok? D'accord? Ils vendent pas ma souris. Ma souris, ils la vendent 150 euros maintenant. Tellement elle est introuvable.
Et c'est là qu'on va avoir droit au fameux... C'est quoi ta souris? Oh, je t'ai... Hé, hey, je t'ai niqué, toi! Là, là, chez toi, t'étais... Oh, putain, mais comment il a su? Putain, c'est, ce que... c'est exactement la question que j'allais lui poser! Hein? J'en ai niqué 2-3, là! Putain, c'est incroyable, le game sense du streamer! Wow! Bon, non, vraiment, elle est morte. Elle est morte. Le capteur est mort. Enfin, je sais pas. En fait, c'est pas qu'elle est morte, celle-là. C'est qu'il y a la même sensation que quand je suis revenu après un mois sans jouer. Et j'ai dit, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je change la souris. L'autre va bien. Mais elle meurt, en fait. Je sais pas, il y a un truc. En fait, elle capte trop. Là, je suis... Regardez. Ça, là. Ce que je suis en train de faire, là. Là, je suis à... Je peux... Là, là. C'est en train de bouger. D'accord? Vous voyez, légèrement, j'ai mon doigt en fait en dessous de la souris. Elle capte trop en fait. Et du coup, quand je la décroche, bah ça fait des mouvements que je veux pas. C'est chiant. Perso, j'ai joué sur le TTS et je trouvais le feeling bizarre. Non, non, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. On est bien là. On peut rien faire en fait. J'y pense pas. What the... What? What? Ah, la boulette. Eh, j'y pense pas. Donc, bon, bah, ça fait 2 souris de mortes. Oh là là, je serais dégoûté si je devais changer de souris. Genre dégoûté. Est-ce qu'il m'en reste une troisième? Ah mais je crois pas en plus, je sais plus où aller la troisième. Ouais, ça devrait pas faire ça là. Ouais, j'en peux plus. À coup de poing. Non, j'ai changé. Come here. Fenrir. Come, fast. Go there. I promise, no, go there.
I'm gonna bait. Oh, sorry. Nice, nice. Ouais, bon mec, tu pouvais pas entendre ça. Oh, avec ta charge lourde là. Il y a tout Spiral? Ça traîne sur le streams. Allez, il peut le faire. Allez, gauche. Cinq kills. Il va y arriver. Oui. Oh, le petit travers à gauche, il a passé tout seul là. Dommage, on est allé voir le. On a failli voir le clutch de gauche. Gauche, on sait pas. Oh my gosh. Merci Mr. Brian pour les 4 mois de scolarité. Shidos pour le fait d'être un nouvel étudiant. T'es un monstre, poulet. Ah oui, c'est l'anniversaire de notre sub-gifter number one, à savoir Overa Gamer. Ah ouais, il faudrait qu'il passe un jour. Ah, on est de nouveau sur une PT. Merde. Non, bah, quand je suis revenu. Après un mois sans jouer, j'ai mis cette souris-là en me disant « elle est neuve ». Ok ? Je la mets et j'avais un feeling très particulier. Et je me disais « c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle capte des trucs que je lui demande pas de capter au moment où je la soulève ». Et je fais « vas-y, c'est pas possible, si ça se trouve ça faisait un mois que j'avais pas joué, c'est moi qui ai un mauvais feeling, c'est les mouvements, mes mouvements sont pas bons et tout et tout et tout ». J'en ai marre, du coup je me dis quand même « bon, on va quand même y aller par élimination, ok ?» Donc je change la souris et je mets l'autre, neuve aussi. Et l'autre du coup a eu le problème très rapidement de clic droit là, hein, en mode... Donc j'ai remis l'autre en me disant si ça se trouve au final, c'était vraiment que j'étais pas habitué. En fait, elle a aucun souci et elle a un truc. Et je sais absolument pas ce que c'est. Mais bon, on a la confirmation que c'est... Hop là, on dégage. What? Dernier Amazon pour votre équipement, il n'y a pas le modèle de souris. Ah, parce qu'elle n'existe plus. La MX-518 Legendary. Ça va être dur de s'insérer à cette porte. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je voyais des retours mitigés par rapport à Consulat. Hein. Je voyais le tweet de Pengu qui disait qu'il trouvait qu'elle était un peu trop en mode... elle était un peu trop... une succession de petits couloirs et un peu claustro, quoi. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que les mecs au shotgun vont se faire plaisir sur Consulat. Nom de Dieu.
Reste plus qu'à en retrouver une neuve. Mais je vais regarder dans mon sac quand même. J'étais sûr et certain d'en avoir trois, quoi. Eh ben non. Ah mais... C'est bon, j'ai trouvé la troisième. Allez hop. C'est bon, elle était juste devant moi en fait. Elle était dans mon armoire. Donc c'est bon, je testerai celle-là. Bon, celle-là, elle est un peu rayée en dessous, mais bon, ça ira. Il y a plus de retours négatifs que positifs. Non, plus de retours positifs que négatifs, honnêtement. Vous avez quoi, vous, comme souris? Ça fait un moment que je t'ai pas vu en stream et en vidéo, ça fait plaisir d'être là. Merci The Camel. Claque ton live. Ton prime. Claque ton live. G502. Putain, la G502, c'est vraiment la souris la plus vendue de l'histoire de la souris quand même. Amaru is in sight. Two ping. Ça va bien se passer. MSIGM41. Merci The Camel, t'es un monstre pour les 4 points de scolarité. Un monstre. Ouais, ça me fait louper des kills de merde en plus. Je sais même pas ce que je vais en faire, quoi. Je peux même pas les redonner parce que celle-là, elle m'a été donnée par... justement parce que j'avais un problème avec l'autre. Donc celle-là m'avait été donnée par Logitech. Qui m'avait dit, ouais, on peut t'aider. Je fais, bah... Voilà quoi, donc ils avaient été sympas, ils me l'avaient envoyé. Et l'autre, je l'avais commandé sur Boulanger, parce qu'elles étaient en promo, et j'avais reçu un truc, j'étais un peu... Et je crois que c'est celle-là. Elle avait un packaging chinois pour le coup. Voilà quoi. En règle générale, les packagings sont européens, tu vois. Et là, le packaging était chinois. MSIGM41, j'ai jamais entendu parler de cette souris. Logitech G Pro Super Night, ouais c'est pas mal. Hein. Glorious Model O, un bon joystick, G Pro Super Night... Ah putain, la G Pro Super Light. Enfin, Logitech, c'est vraiment les leaders du marché quand même. Non, vous trouvez pas? Mm.
Ah putain, on peut rien faire là-dedans, non. Ouais, les prix sont leaders aussi. MDR. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe avec les prix? C'est si cher que ça? Enfin, ouais, c'est vrai que pour des souris, c'est vrai que bon. C'est quand même pas grand-chose, quoi. C'est vrai que ça reste des souris, mais bon. Ouais, bon, moi, c'est très très dur de jouer, là. On va pas se mentir. Désolé si je vais pas faire des trucs exceptionnels comme hier. C'est un peu compliqué. Le texte est suisse, du coup, est-ce que ça veut pas dire que tout... Ah. Ma souris, c'est mon joystick gauche. Ah ouais. Feeling dégueulasse. On peut sauter là? Non, on peut pas sauter en fait. Oh mais c'est quoi ces mecs? Ah bah Damtoniac, t'étais avec... C'est le, la coachée que je coach après. J'en ai marre des gens qui peuvent pas tenir le site. Go go bro! Deux fois on tombe avec des gens qui peuvent pas tenir la ligne quoi. Tu peux faire des moins 2, des moins 3 en entrée, voilà quoi. Et Damto du coup. Ce serait cool d'avoir un petite game sympa là. Merci vos Overagamer, envoyez plein de GG s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, pour Overagamer, méga étudiant du campus de la Salty Academy depuis 33 mois. Et surtout, envoyez-lui plein de joyeux anniversaires. Ça te fait quel âge? Le numéro 1 du campus de la Salty Academy, ladies and gentlemen, le contributeur number 1 nous fait l'honneur de sa présence ici. Envoyez plein de GG, plein de cœur. 24 piges. 24 piges. Putain, la vache. Bah bon anniversaire mon poulet. Vraiment, joyeux anniversaire. Profitez-en. Profitez-en, pardon. C'est ça que vous appelez spammer le chat? Eh ah bah super. Oui. Bon, l'avantage des serveurs EU, c'est que... on trouve des games facilement. Le problème, c'est qu'il y a
une game sur deux. Voilà quoi. J'aime trop jouer la MPX 1.5 là. Bah profite, t'as prévu un anniversaire là ? Tu vas faire un truc, tu vas te mettre une race. Il va lâcher 200 subs. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Elle est vraiment foutue, ma souris. Y'a rien de pire que d'avoir des problèmes techniques pour moi. Et y'a rien de pire que quand tu les corriges, au final, les problèmes sont toujours là, quoi. Franchement. Oh là là, franchement, c'est horrible, sérieux. Elle est trop sensible. Elle est trop sensible. Alarm in place. Oula. Mais comment tu peux savoir que c'est le micro logiciel est à jour ? Ça se trouve, c'est ça qui est pas bon, en fait. J'ai l'impression parfois d'avoir 1000 DPI, quoi. Sur un mouvement, ça monte trop, en fait. Il n'y a rien, en plus, quoi. J'aimerais bien forcer l'update du micro logiciel, enfin du firmware là. J'ai l'impression qu'il me dit c'est... Voilà quoi. Beaucoup, toi aussi. Left. Top spiral left. Yeah, in front of you right now. There. Tu conseilles quoi comme casque avec 100€ de budget HyperX Cloud, poulet. HyperX Cloud. Oh la vache. Nice Pokémon Catch. Oh là 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 là, le duel. Coach est ready? Ouais, bon, on y va à 18h30. De manière, je peux pas trop jouer hein, avec ça. Autant faire des trucs intéressants. Mais j'aime bien jouer un peu, mettre quelques têtes quoi, mais là c'est pas possible. Ah
Ah ouais, la percu de ouf quoi. J'aime trop jouer la 1.5 et envoyer des petits pépins. Mais pour ta souris, l'accélération n'est pas réactivée? Ah non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'accélération sur Windows, sur R6. Mais pour ta souris, ah oh, les mecs. Dis pas bonjour surtout.
bon de rappel là? Non, ce serait cool ça. Ça doit offrir une ligne de ouf. Alors le charme, ça en est où? Ça en est entre le côlon et mon rectum. Hein. Oh oui, 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 dans le cul. Hein. Le charme dans le cul. C'est quoi ta holly préférée? Pêche. Honnêtement, pêche. Point d'exclamation H-O-L-Y, les amis. Pêche, pêche, pêche. Même si au final, à chaque fois que je retombe sur des goûts que je connaissais pas, allez, je m'en refais une petite 18h30, on a dit. Vous avez testé Oli ou quoi? Allez, c'est parti, quelle est la couleur du pack? Oui! Bleu? Popopopopopopom. Un bon vieux vert comme on les aime. Putain, vous êtes des bâtards. Si c'est Black Eyes, tu m'ajoutes en ami. Si c'est Black Eyes, tu prends un sub. T'as testé Camel, car bien fraîche, c'est magnifique. Quoi? Camel? Qu'est-ce que tu racontes? Y a pas que vous Camel. Attends, mais moi je bois pas de énergie. Hein. Je bois pas Holy Energy. Je bois que Holy Iced Tea. J'offre 5 subs si c'est Black Ice. Putain la vache. Vous êtes durs en affaires quand même les mecs. Moi je dis 5 subs si c'est violet. Et 50 subs si c'est Black Ice, tu vois. Et là on commence à parler Ottoman. Caramel je pense. Caramel. C'est ok la prédit. Putain la vache elle était rapide. Hein. 3, 2, 1. Ça pue la merde. Forcément c'est du vert. À chaque fois c'est du vert sur les TTS. C'est du vert de merde. Ce ne sera jamais Black Ice. Ouais, l'autre il dit ça, il y avait déjà la réponse, quoi. Oh, désolé, j'ai du lag. Bien sûr. Allez, petite dernière et après on part en coaching. Ça va, tireur? Comment ça va, mon petit poulet? mmh.
Match point. Ah bah super. J'adore ça. Vas-y, grosse remontada ou quoi? Ce nouveau consulat et ce nouvel agent, ça donne quoi? Moi, j'aime bien le nouveau consulat, pour le coup. Et le nouvel agent est vraiment très, très, très puissant. Mais pas... mais dans une logique de tryhard, composition, plan de jeu établi, quoi. Pas vraiment en mode casual, je m'amuse, je vais faire des tours, quoi. Ça, dans ce cas-là, Soli, c'est vraiment cool, du coup. Tu pètes des drones... Tu peux jouer sur la verticalité, t'as des impacts, le P90 ça envoie des pruneaux. Voilà. Mais il est bien. Il est bien. Franchement, il est bien. Et il sera utilisé. On le verra vachement utilisé pour le coup. Par les pros. La nouvelle saison est pas mal. Ouais. Reste plus qu'à ne pas faire de merde en termes de Battle Pass. Parce que bon, les skins, c'est quand même un truc qui fait vendre et que les joueurs veulent. Et après, on est bon. J'étais un grand fan de la consulat des débuts. Ouais, à l'époque où la méta s'y prêtait, ouais. Moi, j'ai toujours... C'était ma main préférée, consulat. Parce qu'elle est simple à comprendre et... C'est incroyable à quel point cette souris a pas le même capteur que les autres qui sont pourtant les mêmes souris. Quoi. Plan Flores. Changing mag. Spiral top one. Oh my god, behind the piano. Oh la filtration quoi. J'arrivais même pas à te mettre ta tête à l'autre là. One behind piano. And the last one is on my ping, ping 4. Four last operators. Yeah, pushing. Oh no! Yellow, there, yeah. Left of the door. Go close to the piano and plant. And when he comes, you fuck him. Pushing. Nice, guys. Nice, mate. Good job. C'est quoi la souris? MX518 Legendary. Pourquoi t'essayes pas la G Pro? Parce que c'est bien pour vous avec vos petites mains, là. Vos petites mains de hyène et de petits lémuriens, là. Ok? Moi, j'ai des grosses mains de bonhomme, tu vois. Avec de la corne et tout. J'ai pro, j'ai la broie, moi. Il n'y a plus de son au killcam. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Hein. Je pense que c'est un bug. Yo, Klaum, comment ça va? En vrai, la nouvelle consulat, j'aime bien. Mais parfois, je me dis, pourquoi? Peut-être qu'il faut en laisser des maps simples. Parce que l'ancienne consulat était quand même beaucoup plus simple que celle-là.
pour la simple et bonne raison que les joueurs casus, consulat c'était cool, tu vois, c'est un peu... Ouais, voilà, c'est bien pour apprendre le jeu, quoi. Là, la nouvelle consulat, pour apprendre le jeu, t'oublies. Hein. J'aime les souris lourdes. Ah, moi aussi. J'ai les mains de bûcheron, tu peux pas tester la G703, pas de soucis. Bah, c'est la seule qui va vers la MX518 le jour où j'en aurai marre, quoi. C'est la même forme, hein. Mais en vrai, je pense que je vais plutôt m'amuser à payer un mec qui va me faire une souris sur mesure. Hein. À partir d'une MX518, quoi. Piano. Piano is clear. The closet is clear. Exposition is clear. Yeah, one on my ping. On my ping, guys. My ping. Ping 4. S'il est pas là, il va rotate à gauche. Là. Ok, let's keep pushing. Top. Bad hatch. That's Cavera. Oh, here we go. I got it. I got the your cam. I got your cam, bro. There is no one behind the thing. No, it's okay, but I don't know about the... What's under ping 4? I don't know. Interrogation, guys? No? Yeah. She's down yellow. I'm at the ready. Oh la la, ils sont débilos. Nice. 2v2. You have time. On peut pas le retourner là, parce qu'il est pas, il est posé sur un truc en métal. Drone spinning up. Drone up. Yeah, that's him. Okay, she's in the kitchen. In the kitchen. Shotgun. You can plan behind the pillar. Oh, she's on my ping, on my ping. Ping 4, ping 4, ping 4. Nice. Nice. Oh, merde. What? Fuck. Fucking hell. Good calls. Bah ouais, forcément good calls. Ah, je fais que ça, en mange. Le coaching, c'est à quelle heure? Pourquoi on t'emmerde? Anton? Moi, je suis charpentier, ma G502 est vraiment trop petite pour ma grosse main. G502... Bah, G502 et MX518, c'est la même taille. C'est dur d'avoir des souris plus grosses que les G502, quand même. C'est dur. Bon, je pense que c'était de l'humour, mais... Ça allait, t'inquiète, Zeronsk, t'inquiète. Il est jaloux, c'est pour ça. De... De mes grosses mains. Where are they? Split side. Ah, ok. No one in the main. Interrogation. We're fucked. We're doomed. C4.
There goes our backpack. Kev is close to pin one, third floor, second floor. Solis is ping one. No! Wait, she's coming. 5-4. Ah, 5-4-3-2-1! Damn! D'où ça fait chier là? Tu peux pas avoir ces petits détails qui cassent les couilles. Faut que je trouve un mec qui fait des custom souris là. Je vais lui envoyer celle qui marche plus là. Au moins comme ça je pourrais tester. Voilà quoi. Bon, j'ai envie de me faire une dernière game parce que ça m'énerve. Ouais, faut que je trouve un mec qui fait des customs. En vrai, je suis pas sûr qu'il va pouvoir changer le cliquetis de la souris, quoi. Ça cavera un max sur cette map. Bah, il aurait tort de s'en priver avec des gens qui jouent à Maro comme des débiles. T'as intérêt, hein. Meilleur truc pour empêcher une Amaru d'arrêter de faire sa Amaru, là, c'est une caverne. Hein. Ça, c'est rédhibitoire. Là, c'est bon. Bonjour. Chut, clac. Piu, piu, piu. Interrogation. Terminé. Allez, trouve une game. Je fais un ou deux rounds et j'y vais. Yo, Capichef, comment ça va, poulet? Allez. Oui. Vous avez testé les TTS, vous, ou pas? Yo, Demon, yo, bien. Non, flemme de les tester. Ah ouais. Yo, tout le monde. Allez. Je préfère offrir des subs. Ouais, moi ça me va. Non, pas encore, la nouvelle console là m'attire pas. Ah merde. Ah ouais. Ah, elle est incroyable. Elle est unbelievable. J'adore la nouvelle console là. Un monstre, poulet, vraiment. Merci beaucoup, poulet, vraiment. Un putain de stremon. Merci d'avoir offert la possibilité à Foxo, Tezox et Chamallow leur droit de scolarité, poulet. Un monstre.
One main. Dead. Oh là là, le pré-shot CK, deuxième de la journée. Je sais pas où il est. J'ai aucune idée d'où est le son. Aucune idée. J'ai aucune idée. Aucune idée. Aucune idée, mais aucune idée. Aucune fucking idée. Je me dis, il arrive. Pour moi, il était en bas de la spiral, là. T'anticipe le truc, il casse le truc. Kill facile, 2 minutes. Puis plus ça va, plus tu commences à te dire, mais ça n'a pas de sens. Il va pousser à 2 secondes de la fin et tout. Merde, tu regardes tes pieds, tu te dis, attends, ça, le son est passé par là. Mais où est-ce qu'il est passé? Ça a aucun sens. Aucun sens. Ça, c'est horrible, hein. Quand t'essaies de faire le parcours du mec et tu... Et là, il a fallu que je me repositionne alors que j'avais pas envie de me repositionner parce que je me suis rappelé que hier, ça m'a fait la même chose. À savoir, à un moment, j'étais en mode sûr et certain que le mec arrivait devant moi et il était derrière moi. Donc il a fallu que je me repositionne pour aller chercher le côté 3D du son, quoi, en disant, attends, il est où? Il est où? Ah, d'accord, ok. Trop chiant, j'ai l'impression de jouer à Tarkov, quoi. Zéro verticalité. Et t'es là en plus, j'étais sûr et certain qu'il allait arriver. J'allais faire le kill et très probablement, enfin, j'imaginais que l'autre était en train de planter sur site et ça c'était bon quoi. Mais le deuxième, jamais j'aurais su où il était. Incroyable quand même. Incroyable. Unbelievable. En fait, là, ça va devenir une sorte de power position. Faudrait voir les lignes que ça donne, là. Mais ici, c'est une power position. Est-ce que tu peux vraiment défendre ce genre de truc-là? Faudrait voir ça, là. Ça va être relou, là. Mais ça... Ah, mais ça se casse. Ah, mais non, c'est pas une power position du tout, en fait.
Go, go, go. Break the window. Go. Nice. Try. Les lignes que ça crée, j'ai envie de jouer à cette map tout le temps. C'est incroyable cette ligne là aussi, non? Oh, incroyable. T'es trop bien là. Tu viens ici ou ici, jouer là ou lui là. Ici. One tap dans 3, 2, 1. 0. Trop bien. J'adore cet emplacement. Trop bien. Trop bien. En plus, à travers le flag là, ça passe à travers. Tu conseilles quoi comme souris pour Rainbow Six? Je te conseille une G Pro. Merci tireur de lit de pression d'avoir offert la possibilité non pas pour 3 personnes mais pour 6 personnes. T'es un monstre poulet, vraiment. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour tireur s'il vous plaît. Il offre la possibilité à Chamallow, Foxo, Tezox, ça c'était tout à l'heure. Et là il offre en plus la possibilité à Mika Hero, C'est un bon call et Spine One, leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Merci Capichef pour les 32 mois de frais de scolarité payés au sein du campus, t'es un monstre aussi. Merci tireur pour Hiroxo aussi. Vous êtes des monstres les amis, vraiment. Vous êtes des fucking monstres. C'est quoi ce mec tarpin généreux? Bah ouais, bah on t'attend Yuza. Hein. Pareil. Hein. Autrement, on va tous dire ouais, Yuza, c'est un peu un gros rat quand même. Voilà quoi. Un rat le gars quoi. Hop hop hop. C'est chiant là de pas pouvoir remonter là là. Non vous trouvez pas?
Ceux qui disent ultra généreux, trop gentil, vraiment sympa pour qu'on les gifte. Ouais, c'est comme les mecs qui me demandent. Là, j'ai fait un giveaway pour 4 pauvres clés. Bon, ouais, 4 pauvres clés, je vais l'enculer. Si j'avais pas un radis, là, quand j'avais 15 ans, j'aurais trop aimé avoir une clé d'un jeu. Bon. Mais là, je fais. Il y a 4 clés, c'est pas énorme comme giveaway, tu vois. Mais on fait gagner 4 clés sur Un Showdown. Merci, franchement, pour le concours. Oh, je me suis jamais fait autant sucer de toute ma vie. Ah, tout le monde y va, quoi. Merci, franchement, très généreux. Chance, cœur à tout le monde. Oh là là, j'espère que je vais gagner. Moi qui n'ai jamais de chance. En plus, ma mère est morte hier. Figure-toi, une clé Un Showdown me ferait vraiment très plaisir pour venir contrebalancer le fait que ma mère est morte. Ah ouais. Comme quoi? Oh. Je te jure, c'est que comme ça sur Twitter. C'est que ça, dès que tu fais un giveaway. Là. Bonne chance à tous! Bonne chance à tous! Ce n'est pas grave si ce n'est pas moi qui gagne. Mais bon, j'aimerais bien quand même. Oh, je rigole trop à chaque fois. Oula. Il y a un moment, faut tirer quand même. On sait pas. J'aime trop cette map. Comme ça. Vous êtes prêts? Et là on lui fait la Spider-Man. Spider-Man! Et là il fait what? Il m'a pas fait la Spider-Man! Beep, beep. There is a legion! Allez, viens là, toi, là. Vigilant ping. I'm at the ready. Bon, les gars, on va pas... Hein, faut que j'y aille, en gros, c'est ça, l'idée? One on top, bro. Legion ping 3. C'est où le bon site? Sous-sol. Merci poulet.
C'est honteux. Damtoniac, t'es là jusqu'à quelle heure? Vas-y, Damto, s'il te plaît, je me fais plaisir. Poulet, c'est difficile de se faire plaisir sur ce jeu. T'es là jusqu'à quelle heure? One more salty fan. Damtoniac! Fais-toi plaisir, j'ai le temps, t'es caté. Ah, mais t'es là jusqu'à quelle heure? T'es dispo jusqu'à quelle heure? Tout irait parfaitement si la souris buguait pas là. Genre vraiment, je serais vraiment content. Autrement, ça va. Et les baisses de FPS. Minuit max, mais toi, t'arrêtes avant, non? Ah, mais moi, je suis un geek. Je peux, voilà quoi. Donc minuit moins 2, 21 quoi. Oui, oui. Qu'on ait au moins 2 heures. Ah, c'est 11h moins 2, j'ai compris. Mais bon. T'as encore la souris de boomer? Allez mec, elle est charmée la souris. Regardez ce que je colle avec. Alors que je suis vieux et elle fait 120 grammes. Imaginez ce que je collerais avec une G Pro, sérieux. J'en connais, les, là, des Youngies, là, la Gaming House, ils ont fait « Ah, 6-4 !» Je leur ai dit « Non, mais les gars, vous m'avez jamais vu jouer en dehors du stream en train de faire le con, en fait. » On a fait des petites situations 3v3. J'ai pris le shotgun de Kaïd, je commençais à mettre des petits one-tap. Pam, pam. Ah, ils ont presque pensé à faire la Gamer Assembly avec moi. Merci Zartex pour les 33 mois de frais de scolarité. Merci Tireur d'avoir offert la possibilité à Colonel Cookies de payer enfin ses droits de scolarité, hein, ce fils de pute. Un an de frais de scolarité, quoi. Il était même pas capable de payer pour lui-même pour son anniversaire, quoi. Le rat. On est d'accord. Ah ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec moi. T'as fait le fils de pute, Colonel Cookies. Est-ce qu'il y a eu des patchs niveau des armes? Est-ce que vous pensez pas que Twitch devrait incorporer un truc, honnêtement? Ça, je signe de suite. Un truc qui fait que... Twitch, clipez ça. Twitch, j'ai besoin que vous incorporiez un truc. Ok ? En gros, l'idée est simple. Les gens se follow à la chaîne. Très bien. Et ils ont... C'est un peu une idée d'enculé. Mais elle est simple et elle est pas si mal, ok, d'un point de vue stratégie marketing. Ils ont, avec bien évidemment un curseur décidé par le streamer, ils ont un certain quota d'intervention dans le chat avant que le chat leur dise « Vous ne pouvez plus parler, vous devez attendre le mois prochain parce que c'est un renouvellement par mois ou alors vous devez vous abonner. » Donc c'est un mode abonné only. Mais pas tout à fait, quoi. Il y a quand même une possibilité de... Hein, voilà, c'est un petit peu le... C'est un peu Mediapart, quoi, tu vois. T'arrives sur le truc, hop, hop, t'as le début de l'article, et après, bah, si tu veux la suite. Voilà, quoi. Voilà. Non, c'est pas mal. Vous pensez pas, franchement. Certains vont pas aimer. Mais après, t'es pas obligé... C'est pas obligatoire. Le streamer le met ou le met pas. Il y a un moment, des mecs comme Colonel Cookies, il y a un moment, j'ai envie de me dire dans ma tête, le mec, il intervient toutes les 5 minutes dans le chat, même pas, toutes les 40 secondes. Et à un moment, j'ai envie de lui dire, oh, frérot, quoi. Tu payes, quoi, tu vois. Les gens qui viennent jamais, qui passent une fois par an, de temps en temps, eux, bon, voilà. Eh oh. Mais les gens qui sont toujours là, toujours balancer leur truc dans le chat, Et moi, j'interviens sur tout, en plus. Je lis leurs trucs, leurs problèmes et tout. Oh non. Eux, il y a un moment... Désolé, vous avez dépassé votre quota de messages pour ce mois. Ce jeu est trop dur pour moi. Point d'exclamation coach, poulet. Je peux faire de toi un monstre. Voilà.
Merci Joe la star et pas Joe et star. Merci pour les 2 mois de frais de scolarité. Et au sein du campus, un monstre. Mon clip, tu l'envoies chez Twitch? Ouais, mais faudrait. Clip. Leak mes messages si que je suis pas un rat. Ouais, mais toi, t'es en avant, t'as un petit cadeau et tout, donc ça attire l'œil, tu vois. Voilà. On devrait faire la même dans la vie de tous les jours. Ah ouais. Avoir un quota par personne. Ah, désolé. Avoir un quota. Evan, il dit ça parce qu'il est un peu beauf. Hein, et il voulait dire un truc avec sa nana, je pense. Ouais, franchement, bah, ma bonne femme, ce serait pareil. Ce serait pareil, ok. Je dirais, chérie, t'as le droit à 100 mots. M'adresser la parole sans mots ce mois-ci, ok. Désolé. Désolé. Ouais. C'est comme ça, ok. Tu veux acheter les crédits? Tu sais ce qu'il reste à faire. Evan, il est un peu beauf. Hein. Non, elle parle pas, elle est muette. Hein. Ah. Elle est pas muette, mec. Elle est mute. C'est parce que ta nana, elle est sur World of Warcraft. Je voudrais faire des blagues comme ça, mais je peux pas. Je vais me faire ban. Ouais, tireur, il n'y a que moi qui ai le droit de faire des blagues beaufs de temps en temps. Voilà. Je l'ai fait avec parcimonie. C'est un sujet tendancieux. Je pourrais perdre mon charme à cause de ça. Faut faire gaffe. Everybody, tout le monde, c'est le week-end, bah, c'est vraiment de la merde mon truc. Là. Ça récup ton pendentif. Non, pas du tout, Grizzly. T'y as cru ou quoi? Comme, pourquoi je le récupérerais, mec? Je l'ai dans le cul, mon gars. Attaquer là, c'est que ça attaque là. Non. One CEO. Je vais mourir. Oh non. Un monstre, toi. Tu nous as bien attendu, toi. Allez, je me casse. Tu es fort. On casse pas les cams, mais on a un bon casque. Allez, merci tireur pour El Timenos. Bon, je resterai sur site la prochaine fois. Oh, c'est chiant, les games en progress. C'est chiant. Je sais pas, j'ai envie de jouer en ce moment. Désolé pour le retard sur le coaching. Il faut que je le fasse.
J'allais me chercher un café, on va partir. Mais j'ai envie de jouer. Un avis sur un burger au Saint-Nectaire. Bon, les burgers au Saint-Nectaire, c'est les trucs de Big Fernand, là. C'est pas mauvais, hein, Big Fernand. A plus tard, tireur. Coacher un joueur manette ou pas? Non, jamais de la vie, BSGSL. Non. Non. Non, après, tu viens me voir en privé, tu me dis, écoute, tu viens me coacher chez moi. Va falloir allonger la thune. Ouais, va falloir mettre un gros billet, là. T'as reçu des photos de Daron sur Discord? Même pas, putain. Ouais, les gens ont des grandes gueules, hein, mais en fait, que dalle. Yo, teenager. Mais les burgers au Saint-Nectaire, là... les trucs de Big Fernand, j'ai dû manger une ou deux fois. C'est quand même pas mauvais. Hein. Merci, tireur, t'es encore un monstre, poulet, vraiment. J'ai mangé une ou deux fois et c'est pas mauvais, quand même. Mais bon, les meilleurs burgers, c'est quand même, bon... Le petit bar à burger ou truc à burger du coin, quoi. Ouais, c'est au comté, ouais, c'est au comté. Ouais. Je sais pas là. Qu'est-ce qu'il y avait à annoncer? Bon, il y a 2-3 trucs qui vont arriver bientôt, les amis. Voilà quoi. Suivez sur point d'exclamation Discord, comme d'hab. Ou point d'exclamation Twitter. Vous en entendrez parler. Toujours bien avec Oli. Ouais, bien sûr. Bah là, c'est vide, donc je bois pas. J'ai déjà tout fini. Ouais, ça va. Bah, c'était juste chiant, les deux premières semaines de mai, ça a un peu cassé le rythme. Parce qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement. Voilà, quoi. Donc c'était un peu chiant. Un peu chiant. Du coup, tu peux pas vraiment faire la promotion d'un truc qui est pas à dispo, quoi. Bon, allez. L'une des dernières. La dernière. Si elle se passe bien, c'est la dernière. S'il y a pas de mec un peu chelou. En vrai, tu sais quoi, je vais jouer un pulse. Avec un silencieux. Parce que je suis un peu un geek. Et je vais mettre ça dessus. Et le charme Yungtis. Merci Lux pour les 13 mois de frais de scolarité. À mon poulet. Cette arme. Stay here, Thorn. Stay here. Hello, Stess. Capcom.
Cooper, I can hold the camp for you. Yellow. Got one! One still yellow. Down yellow. Pushing up. The last one is on yellow. Pushing yellow. Exactly on my ping right now. Exactly on my ping. Nice. Nice, guys. Pip, pip. Ah, c'est vrai que Goyo 1.5, ça c'est sexy aussi. UNT. Y a quoi comme map qui était dispo à la sortie du jeu qui n'a jamais été rework? Quelles sont les maps dispo à la sortie du jeu qui n'ont jamais été rework? Bah, aucune, je crois. Hein. Avion. Avion, ils ont pas rajouté une... Ah, s'il y a eu des reworks, c'est des reworks minimes. Mais il n'y avait pas une trappe qui a été rajoutée. Parce qu'un jour, je me suis dit, putain, mais cette trappe, je l'ai jamais vue avant, quoi, tu vois. Yacht. Ouais, yacht a pas été rework. On peut pas appeler ça un rework. Il y a eu des petits changements, des petits... Ouais. Mais oui. Avion, yacht, et encore yacht était pas là à la sortie du jeu. Puisque c'était Frost et Buck. L'université, ouais. Bon, c'est des maps spéciales, quoi. Déjà, un, elle est plus dedans. Deux, entre quand elle est sortie et... J'ai envie de tenter des trucs. Club a été rework en quelle année? Club, elle a été rework deux ou trois fois. Club, ça a été la map qui a été la plus rework. En nombre de fois, tu sais. Oh, la souris. Vous avez vu? Ah, le capteur est capricieux sur celle-là. Capteur est capricieux sur celle-là. Club a été rework. Oui, Club a été la première à être... L'une des premières à être rework, quoi, je crois. Voire même la première à être rework. À la base, la construction n'existait pas sur Clubhouse. En haut, le changement le plus notable, c'était la construction n'existait pas sur Clubhouse. Ça, c'était un gros changement. Avant, Clubhouse, c'était deux tours, en fait. D'un côté, t'avais le serveur. Et imagine, la porte du cache qui donne vers construction, ça, c'était un T1. Et... Oh, je sais pas comprendre. Et le mur renforcé qui existe toujours, pour le coup, qui est dans le bureau... Le mur double, là, dans le bureau, bah la construction, elle n'existait pas. En fait, ils ont fait la construction parce qu'ils disaient, il y a eu un truc, ça s'est construit, quoi. Il y a eu un truc qui vient de se construire entre les deux. Ça, c'était un T2. C'était un... Tu pouvais accéder par là, quoi. Donc, le cache était indéfendable. Indéfendable. T'étais à l'extérieur, t'ouvrais le T1, tadam, t'avais tout le cache devant toi. Et... Le T2 n'existait plus. Je sais plus comment ça existait. Enfin, l'autre T1 là qu'on connaît n'existait plus. Mais il y avait une trappe au-dessus du serveur. Au-dessus du serveur. Genre au-dessus, quoi.
Favela était rework aussi. Ouais, Favela était rework quoi. Exhibition, at the hatch. Ouais, c'est ça de pas droner. Vous pouvez pas y aller s'il y a un mec à la hatch. Ça, c'est le truc à pas faire. You can't go, guys, if there is one guy at the hatch. It's impossible. Boris downstairs. Oryx. Yeah, but still the guy in the exhibition is gonna stay there. He said locker hall. Buck, you can go. The guy's in exhibition. No, come back. You need to kill the guy exhibition. Behind that wall, right now. Left side, just on your left. The guy's in exhibition, bro. That's piano. Con comme un cactus. Nice. 2v1. Diffuse is there. Don't get the diffuser, please. Yeah, I'm gonna hold your drone. It's an eco, so... The breach is off me. Bro. On the right. Left. Okay. On the car. 15 seconds remaining. Right at the car. Nice. Amazing. C'était nul. Allez, on se casse. Alright. Je vais me faire un café et on commence le coaching. Ok. On va faire ça. Ok, le petit loup. Je reviens dans quelques secondes. À tout de suite. Ok. À toutes.
back.